L'Europe est face à un nouveau scandale. Nous apprenons ce matin que plusieurs fabricants de pesticides ont délibérément menti aux autorités européennes. Pendant plusieurs années et à plusieurs reprises, Syngenta, mais aussi Bayer, auraient soustrait des analyses scientifiques démontrant la toxicité de leurs produits sur la santé humaine et en particulier sur le développement du cerveau des enfants. Ces pesticides provoquent des troubles du neurodéveloppement, de l'autisme et impactent le quotient intellectuel des enfants. Depuis près de 20 ans, l'Agence européenne de sécurité des aliments a donc été délibérément empêchée de garantir la sécurité sanitaire des citoyennes et des citoyens. Les commissions santé et environnement doivent impérativement étudier, et au plus vite, ce qui peut et doit être fait face à la toxicité de ces produits trop largement répandus. Mes chers collègues, il y a toutes les raisons de croire que nous sommes face à un « pesticide gate », ainsi que plusieurs collègues de différents groupes l'ont souligné. Alors au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos appartenances nationales, nous devons défendre l'intérêt général européen. Il commence par la transparence et la recherche de la vérité et la bonne administration de nos institutions. Voilà pourquoi nous devons mettre une commission pour veiller à ce que plus jamais nul ne bafoue la santé et la démocratie européenne. Mes chers collègues, mentir aux autorités européennes, nous mentir, ne peut rester sans réponse. Question.